L'opération de vente promotionnelle de moutons est en cours depuis plusieurs jours dans le cercle de Bandiagara, initiée par les autorités régionales, en rapport avec les éleveurs qui sont accompagnés dans les lieux de production dans le but de soutenir la population. Elle a pour objectif d'alléger les souffrances des populations en leur vendant des moutons à des prix abordables. Aujourd'hui, plus de 2500 bêtes de petits ruminants présents à la foire. Et aujourd'hui, à l'heure où nous sommes, il y a plus de 2000 aussi vendus. C'est déjà une réussite. Pour un montant de plus de 113 millions, nous ne ferons que les féliciter et les remercier pour leur accompagnement. Au départ, c'était 2 jours. Vu l'engouement, vu la demande, les producteurs, y compris les commerçants, les petits ruminants, y compris les organisateurs, ont jugé nécessaire qu'on puisse aller à 1 semaine. Et jusqu'à présent, les gens veulent continuer jusqu'à la veille de la fête. C'est extrêmement important de comprendre cela. Cohésion sociale entre les communautés Peul et Dogon ici, qui sont complémentaires, c'est plus qu'une réussite pour la région de Bandiagara qui vit des moments extrêmement difficiles. Le gouverneur a félicité les éleveurs pour avoir mis en place un contact direct avec les acheteurs. En outre, Sidi Mohamed El Béchi s'est dit très satisfait de l'état d'approvisionnement du site. Notons que la vente promotionnelle a été initiée en 2009 par le gouvernement pour permettre aux populations d'avoir des moutons à des coûts abordables pour la tabaski. Des espaces pastoraux ont été créés à cet effet dans tout le pays pour accompagner les éleveurs.